D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme cet homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Et bonjour mes amis guitaristes, un tout petit blabla pour présenter cette chanson parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. D'abord, c'est que je vais la décliner en deux niveaux. Au niveau spécial débutant avec des choses super faciles à faire. Et évidemment, pour vous, les débutants, il vous faudra peut-être, sans doute, passer, sauter la petite intro, aller directement à la guitare pour le chant. Et pour les autres, bah justement, une petite intro qui se rapproche de l'original, sans être l'original, parce que dans l'original, il y a un piano, une guitare, et nous, on fait tout avec la guitare. Et puis, un petit rythme un peu plus complexe, histoire de rendre la chanson un peu plus ludique, agréable à jouer et à chanter. Cerise sur le gâteau, on est à la tonalité de Lara Fabian avec le capot. Nous, les hommes, comme je viens de le faire, on peut la chanter l'octave en dessous. Et vous, les femmes, vous pourrez toujours vous essayer à l'octave au-dessus avec Lara Fabian, justement. Allez, on se retrouve tout de suite. Je t'aime, Lara Fabian. Si vous voulez sauter directement la petite intro, je vais chapitrer cette vidéo pour que vous ayez des petits espaces en bas pour accéder directement, par exemple, à la partie débutant qui suivra. Allez, c'est parti pour cette petite intro qui, encore une fois, je vous le rappelle, n'est pas tout à fait l'original, mais se rapproche un petit peu. Je vais commencer par jouer ma corde de mi à vide, puis ma corde de si à vide, et seconde case corde de mi, et troisième case corde de mi. Fais ça à la suite. 4 et... Ensuite, je vais poser mon accord de ré, même si j'en ai pas réellement besoin. Je joue la basse, qui est forcément la corde de ré, suivie de la corde de si et une petite remontée sur deux cordes. Juste cette partie-là avec le ré. 3, 4 et... Si vous jouez à la place du si la corde de sol, ça n'a aucune importance. Les deux à la suite. 3, 4 et... Ensuite, je viens chercher ici, là, si, c'était, sans, si on était sans capot, ça serait la note do. Disons, troisième case, corde de la, et je la joue. De nouveau, corde de si à vide, et encore une fois, seconde, troisième case de la corde de mi. Juste cette partie, 3, 4, et... Pour terminer cet ensemble, cette première partie de l'intro, je vais jouer un Do et un B7. Allons-y pour toute cette partie à petite vitesse. 3, 4 et... Maintenant la seconde partie où j'essaye de m'approcher un petit peu de ce que fait la guitare, je dis bien un petit peu en mélangeant guitare et piano. Je vais commencer par faire un mi mineur auquel je vais ajouter mon petit doigt ici. Troisième case, corde de mi. Si vous n'y arrivez pas, si vous aimez pas, bah vous vous contenterez de faire un mi mineur. Je vais le jouer tout simplement. Ensuite, je vais doubler corde de mi à vide. Seconde case,
troisième case et cinquième case à la suite. À partir du mi, 3, 4 et... Je viens sur ma corde de si et je vais jouer deux fois la troisième case. Et en suivant, troisième case, corde de mi. Cinquième, septième. Personnellement, j'aime bien faire un petit glissé entre 5 et 7. Allons-y jusque-là, toujours à partir du mi. 3, 4 et... À partir de là, je vais rejouer cette septième case. Je vais rejouer cinquième case. Je rejoue troisième case et je finis sur un Ré majeur sur lequel je vais faire trois rythmiques piano. Quand je dis rythmique piano, petite percussion sur trois cordes maximum et suivi de la basse, ce qui me fait... On imagine bien un piano qui fait... Pling, tong, pling, plong. Donc, 2, 3, allons-y jusque-là, toujours à partir du mi. 3, 4 et... Ensuite, je vais garder que mon annulaire, seconde case, corde de mi, et je vais faire petit glissé entre 2 et 3 cases pour faire... Donc je termine par ma corde de mi à vide. Encore. Puis un Do. Et un B7. Allons-y jusque-là, toujours à partir du mi. 4 et... On a presque fini, il ne nous manque plus que la dernière petite phrase qui va faire ceci. Sachant que la vitesse d'origine devrait être à peu près ça. Donc nous on va le faire beaucoup plus doucement. Pour l'instant, septième case, toujours corde de mi, avec un hammer suivi d'un pull-off, ce qui me fait... Ensuite, je viens chercher ici avec mon annulaire, sans, tout en gardant si possible l'index à sa place, je viens chercher la dixième case de la corde de si toujours, et je reviens sur... Ma septième. Ouf. Allons-y. Depuis le début de cette intro, à petite vitesse, je vous engage à la faire tourner, et d'accélérer après par la suite. 3, 4 et... La suite, je vais m'adresser maintenant aux débutants pour que vous puissiez faire ce rythme pour cette chanson le plus simplement du monde et petit à petit je vais le compliquer, sachant que normalement il y a un Si mineur, c'est donc un barré, mais comme vous le savez sans doute, vous pouvez le faire comme ceci, auquel cas il faudra prendre garde à la basse qui est la corde de Ré, et si on est en barré, c'est la corde de La pour ce qui est de la basse. Donc, ce que je vous propose pour l'instant, c'est de faire juste du piano simple, c'est-à-dire ceci. Ne croyez pas que c'est péjoratif, que ça en diminue la qualité, parce que si vous le faites correctement, ça sonne très bien. Petite démonstration.
D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Pourquoi ça sonne bien ? Parce que, avec ma main droite, le toucher est particulier. Ça n'est pas des glissés comme ceci, ça n'est pas des grands gestes. C'est une petite percussion qui vient chercher trois cordes. On vise trois cordes, rien de plus. Et tous mes coups ne sont pas égaux. Hein, c'est tout ça une question de feeling côté main droite. C'est là que vient la difficulté et non pas de la main gauche. Donc, pour le mi mineur, 1, 2, 3, 4. Le ré, pareil, ici, je vais bien viser les trois cordes à partir de la fondamentale de l'accord, c'est-à-dire de la corde de ré. Ok ? Et, comme d'habitude, je vous ai préparé un petit document avec un code couleur. Quand vous voyez du rouge, eh bien, c'est qu'il y a 4 coups, du bleu, que 2, et du noir, un seul. Voilà, facile. Donc, les accords du couplet vont s'afficher, on les fait ensemble. 3, 4, mi mineur, et 1, 2, 3, 4, ré, 1. Je repars en mi, j'en fais 4 et 1, 2, 3, si mineur et... Alors, pour vous aider pour ce si mineur, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, au lieu de faire 4 mi, vous en faites que 3 et vous utilisez ce quatrième temps pour vous positionner, ce qui me fait 1, 2, 3, 4... Et 1, 2, on fait 4. Attention à la basse là. Hein. Je passe en do, j'en fais 4 également. Je joue pas ma corde de mi, la mineure, exactement pareil, toujours pas la corde de mi. Je reviens en do. Et je finis par un B7, j'en fais 4. Et on a tout le couplet. Le refrain. On attaque avec un mi mineur et on n'en fera que 2. 1, 2, la mineur. Et là, je vous propose de faire un petit déroulé sur ce premier la mineur. Et je recommence. 1, 2. Un seul mi, un seul ré, 2 do. De la mineur et de B7 et on commence mi mineur. Je déroule la mineur. Deuxième coup, même chose. Un seul mi, un seul ré, deux do. De la mineur, de B7. Et là, je dis 2, mais en fait, je vais en faire qu'un, même si on va compter le 2. Ce qui me fait 1, 2, mi mineur, 2 fois 4, c'est-à-dire 8. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Et on attaquera le couplet suivant. Voilà pour ce qui est de la manière la plus simple et basique de faire ceci. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que, vous savez que cette chanson commence avec deux couplets, là on n'en a fait qu'un. Au deuxième couplet, plutôt que de faire ceci, on va faire quelque chose qui est relativement facile à faire, c'est-à-dire ça. Basse, c'est là le plus compliqué, on essaye d'attraper la bonne, c'est-à-dire, pour le mi évidemment, la corde de mi. Ensuite, on va essayer d'attraper n'importe quelle corde en descendant. Bon, moi, très souvent, je fais la corde de ré ou de sol, mais c'est pas très important. Donc, et une toute petite remontée sur 2-3 cordes. Et on va essayer de faire tout le couplet de cette manière, à petite vitesse, pour que vous puissiez vous entraîner. Vous allez voir, si vous faites ça, un couplet
avec la rythmique piano, le second avec ça, ça va faire vraiment illusion. Allons-y. 3, 4, mi. J'en fais 2. Ré, attention la basse. Là, évidemment, les cordes se suivent hein, en descendant. Mi mineur de nouveau. Si mineur. Do. La mineur. De nouveau, Do. B7. Ce B7, attention, la basse, c'est forcément la corde de La. Toujours pareil, si vous sentez que vous n'arrivez pas à placer ce Si mineur, au lieu de faire demi, vous allez faire 1, 2 et... Pour le chant, ça va se passer très très bien. Voilà pour ce qui est des débutants. Voyons maintenant quelque chose qui ressemble beaucoup, mais avec des gens qui ont un tout petit peu plus de pratique. Je dis bien un tout petit peu plus. Plutôt que de faire, sur ce premier couplet, ceci, vous pourriez faire une vraie rythmique piano. C'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, alors, attention pour cette rythmique, le temps fort, il est bien ici. Et la basse derrière, c'est un tout petit truc. Hein. Ça n'est pas... Notre terre est une... Ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, ce tuto existe, vous le trouverez sur mon site. Mais là, on est sur quelque chose de totalement différent. Aigu, basse, petite percussion sur trois cordes. Allons-y, faisons un couplet complet. Comme ceci. 3, 4 et... Si mineur... Do... Là, ce que je vous propose, que pour passer du Do au La, on va passer par la basse de Do dièse, ce qui me fait Do, 2, 3, 4, la basse Do dièse donc, et j'arrive au La mineur, 1, 2, 3, 4, de nouveau Do, 2, 3, 4, et 6, septième. 3 et 4. Pour la seconde partie de ce couplet, on va se rapprocher de ce que faisaient les débutants tout à l'heure, sauf qu'on va rajouter une basse sur le retour. Ce qui me fait... Encore une fois, peu importe les cordes que vous attrapez, ici au milieu, à la fois sur le second coup et sur le quatrième. Celui-là, forcément la basse. Celui-ci, peu importe. Bon, moi, c'est plutôt la corde de Ré, mais ça pourrait être la corde de Sol également. Petit retour et de nouveau, soit la corde de Sol, soit la corde de Ré. Et on fait tourner ça. Oublié de préciser, évidemment, si vous voulez faire ça avec vos petits doigts, ça pose pas de problème. Ce sera juste que pour la rythmique du refrain... Ça sera un petit peu moins péchu, mais à vous de voir. Faisons tourner le couplet avec cette rythmique. 3, 4 et... Ré. De nouveau Mi. Si mineur. Do. On va voir ça après.
de nouveau Do, B7, donc je vous ai fait une petite descente encore avec le Do, je vais vous la montrer, à partir du Do, j'en fais un normal, et c'est à partir de là que je vais commencer à déconner en faisant basse, petit haut, Do dièse, petit haut et la mineure. Encore une fois à partir de ce Do, 3, 4 et... etc. pour la suite. Pour vous, qui n'êtes pas tout à fait débutant, pour le refrain, voici ce que je vous propose. Comment je fais ceci ? Tout est dans la finesse, côté main droite, toujours attention à ces... ça, ça fonctionne pas. Donc, j'ai bien mon premier mi qui est normal. Et je vais le redoubler avec un... ce haut, c'est 2-3 cordes, donc... la... et mi... là, pour la suite, évidemment, toujours un seul mi, un seul ré, et je reprends ma rythmique en Do. La mineure, B7 et 1. Et on recommence. Un seul B7e, mi mineur, et là, soit vous rattaquez avec votre rythmique piano, soit en arpège, comme vous voulez, pour attaquer le second couplet. Voilà, excusez-moi pour cette guitare qui était un petit peu longue, évidemment, puisque avec plusieurs niveaux, je suis obligé de détailler tout ça. Allons-y pour le chant. Comme je l'expliquais en présentation, nous avons de la chance parce que nous les hommes, même si ça pousse un tout petit peu, on peut chanter ça l'octave en dessous de celui de Lara Fabian. Si par cas ça serait encore un peu haut pour vous, il vous suffira d'enlever le capot. Mais l'avantage avec ça, c'est qu'on peut chanter, jouer avec elle. Ça pose aucun problème. Sachant que sur quelques lives, elle est sans capot également. Donc, pour trouver la bonne note pour commencer à chanter cette chanson, c'est facile. Corde de si à vide, suivie de... troisième case, corde de mi. D'accord, d'accord. Alors, soit d'accord, soit d'accord pour question d'octave. Donc, allons-y. Je vais attaquer mon chant et le corde encore va arriver sur mon premier mi si je fais ça de manière basique pour les débutants. Ce qui me fait d'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Pareil pour la suite. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Pour les débutants, pour éviter donc, pour vous faciliter le passage en si mineur, d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. On continue. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. 2, 3 et 4. Évidemment, je n'ai pas les subtilités, c'est bien dommage d'ailleurs, de la voix de Lara Fabian. À vous d'écouter bien la chanson pour essayer de les reproduire. Toujours pour les débutants, avec
l'arpège. Alors, si vous n'êtes pas capable de le faire, bah, vous faites les deux parties de ce couplet de la même manière, comme je viens de le faire. C'est pareil, le cord d'accord va arriver sur la base de mi. D'accord, la petite fille, en moi souvent. 3, 4. D'accord, la petite fille, en moi souvent. Te réclamer presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Et on attaque le refrain, on y va ensemble. 3, 4. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Il recommence. Je t'aime. Je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Encore. Et on attaque le, on va dire, c'est le second couplet, mais qui fera la moitié du premier. Voilà pour ce qui est des débutants. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire cette chanson. Après, vous aurez juste à reporter ça sur deux refrains et la fin qu'on va voir dans pas longtemps. Pour les gens un peu plus avancés, eh bien écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est que c'est toujours pareil, je vais le faire à vitesse très lente, et on va faire la même chose, mais avec les rythmes que je vous ai proposés précédemment. Le chant va démarrer exactement de la même manière, c'est-à-dire que les aigus de ma première rythme piano va arriver sur le corde d'accord, ce qui me fait « D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de rire auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence, sa mère, j'ai décidé de nous donner, pardon, les erreurs qu'on peut faire. À trop s'aimer. Arpège. D'accord, la petite fille, en moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas pu partager. Au bout de mots de rêve, je vais crier. Le refrain. Je t'aime. Je pense que à partir de tout de suite, on peut s'attaquer à la récap. Pour cette récap, voici ce que je vous propose. Eh bien, on va essayer de la faire entière, c'est-à-dire qu'on va faire la première partie comme les débutants et toute la deuxième partie avec un niveau un peu plus avancé. Ça veut dire que le couplet d'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, je vais le couper en deux. Question rythme pour que vous ayez les deux versions. Allez, c'est parti, toujours pareil. On va essayer d'aller moins vite, même si au départ, cette chanson n'est pas très rapide, bien entendu. Hein. Avec la petite intro, 3, 4 et...
accord, il existait d'autres façons de se quitter. Que éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. Au bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, faisait la paix. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime, instrumental do comme ça. Et on attaque refrain. Je t'aime, j'accélère un petit peu. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Oh, oh, oh. Tu vois, je t'aime comme ça. Et voilà pour ce tuto. Écoutez, il est un petit peu long, j'en suis vraiment désolé. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose pour cette très belle chanson. Merci pour les pouces, merci de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto.